2009, au Mali, il y avait 941 milliards de francs CFA de dette. En 2010, 1056 milliards. En 2011, 1129 milliards. En 2012, 1354 milliards. En 2013, 1371 milliards. En 2014, 1782 milliards. Mais le point positif est que ces encours vont en augmentant, c'est-à-dire le paiement de la dette par an. Donc, en 2009, c'était 46 milliards. En 2010, 47 milliards. En 2011, 74 milliards. En 2012, 55,2 milliards. En 2013, 48 milliards. Et en 2014, 99 milliards. Parce que quand j'étais lycéen au Mali, j'ai été enseigné par des profs français, par des profs chinois, par des profs japonais. À l'époque, on avait peu de profs maliens comme profs de sciences, c'est-à-dire mathématiques, physique, chimie, etc. Et quand on discutait avec les Chinois, ils disaient à cette époque que le niveau de vie du Malien était supérieur au niveau de vie moyen du Chinois. Donc, il y a un problème. Oui, alors, pourquoi ? Pourquoi ? Premièrement, parce que celui qui nous a amené à l'indépendance, M. Mouloud Keïta, il a été déposé par un coup d'État. Parce qu'il avait commencé à suivre un développement vraiment structuré, basé sur l'industrie, comme tout développement. Parce qu'un pays, l'assistance peut le confirmer aussi, aucun pays ne peut se développer sans industrie. Alors que le Mali, du coup d'État maintenant, c'est un pays commerçant. Oui. On ne peut pas développer un pays par le commerce. Depuis le début de nos indépendances, malheureusement, pour le cas du Mali, nous avons eu des chefs d'État qui réfléchissaient, qui pensaient qu'on ne peut pas s'en sortir avec l'aide extérieure. Alors malheureusement, la France ne voulait pas de ses dirigeants. La France voulait des dirigeants qui, bien assister à tout point de vue économique, social et culturel. Oui, c'est ce qu'on a vu. Alors, donc, malheureusement, on a éliminé tous ces dirigeants valables qui avaient une autre pensée politique de nos pays. Alors, actuellement, et exactement comme l'immigration, alors, la dette, on est dans le problème de dette, mais après, on a pensé qu'avec l'immigration, mais c'était un sujet qu'on va beaucoup discuter plus tard. Et on pensait qu'avec l'immigration, peut-être que ça allait encore régler nos problèmes. En 1994, moi j'ai été voir le président de la République, Alpha Conaré, et j'ai dit ce serait bien qu'il y ait un événement culturel. Parce que ce que j'avais constaté, c'est bizarrement, pendant l'époque de Moussa Traoré, Il y avait les biennales. Et les biennales, ça faisait toutes les régions. Alors c'est une manière de tenir le pays. Hein. Mais il y avait toutes les régions, il y avait du théâtre. C'est-à-dire que toutes les forces culturelles du pays, traditionnelles ou pas traditionnelles, ça faisait toutes les régions. Ça faisait toutes les régions et ça revenait à Bamako, il y avait des concours. C'est pendant l'époque de Moussa. Alors effectivement, c'est l'époque pendant la dictature. Quand la démocratie est arrivée, terminé. Chaque région avec deux orchestres. Chaque région avec deux orchestres. Moi, j'ai suivi beaucoup de Superbiton de Ségou. Donc, il y avait l'orchestre de Ségou et il y avait une pépinière. C'était financé par l'État, avec petits moyens, mais quand même. Pour le théâtre, c'était la même chose. Arrive la démocratie, alors bizarrement, en plus, le président de la République était quand même quelqu'un de culture, puisqu'il avait été ministre de la culture, rappelons-le, de Moussa Traoré, hein, donc, de la jeunesse, oui, pardon, excusez-moi. Donc, à ce moment-là,
on ne parle plus de la biennale, ça a pu recommencer, je crois, on ne parle plus de la biennale. Et à ce moment-là, culturellement, on a l'impression que c'est le vide. Donc, moi, j'ai, avec les photographes, je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse un événement. Et vous l'avez créé Voilà, donc j'ai créé la Biennale de Bamako. Ça a été financé par la communauté européenne et de la France. Mmh. Alors, petit à petit, moi, quand j'ai dirigé pendant 2 ans. Quand j'étais là, parce qu'au début, on m'a dit, il n'y a pas besoin de payer les droits d'auteur, parce que de toute façon, ils vont gaspiller. Parce que c'est évident que les Africains, ils gaspillent quand on leur donne de l'argent. Bon. Alors donc, moi, je me suis battu pour qu'ils aient les droits d'auteur, parce que moi, je suis photographe de droits d'auteur. Et au bout d'un certain temps, bon, je pouvais sans doute crier un peu trop fort, donc on m'a écarté. Donc maintenant, c'est l'Institut français qui s'en occupe. C'est l'Institut français de la communauté européenne. Ça coûte une fortune. Mmh. Une fortune. Et pendant des années, les photographes maliens ont été écartés. Sauf que quand je suis retournée l'année dernière, avec plaisir, j'ai vu que les maliens s'étaient organisés. D'ailleurs, il y a une photographe, oui, une photographe tout, qui est qui et tout d'un coup, les photographes se sont organisés. Bon. Je suis né à une époque où il y avait une tradition très forte. Laquelle? Une civilisation très forte. Oui. On appelle l'animisme. 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 D'accord. L'animisme. Oui, bien sûr. Mm-hmm. Oui. Alors, donc, à cette époque-là, c'était la dignité qui faisait fonctionner la société. Mm-hmm. Hein? Le pouvoir de travailler, donner la volonté, le pouvoir vraiment travailler pour vivre indépendamment des autres. Mm-hmm. Quand un Bambara est demandé. Oui. Les prêts à quelqu'un, c'était vraiment une honte. On comptait sur notre propre force pour nous en sortir. Mais le développement industriel ne tombe pas d'échelle. N'a pu se faire que par des études, que par la formation. Mm-hmm. Mais le temps, j'ai vécu aussi une partie du temps colonial, mm-hmm. étant né en 38. Donc j'ai vécu une bonne partie du temps colonial. Et oui, j'ai connu les commandants coloniaux. Enfin, ça, c'est pas une accusation. Nous sommes en indépendance politique il y a combien de temps? 60 ans? 55 ans pour certains. 54 ans. Deux générations. C'est très peu. Il faudra quand même savoir. Je ne dis pas qu'il faut qu'on prenne les bras, ce n'est pas possible. Il faut qu'on travaille. Mais l'Occident a mis comme temps pour se développer, cher monsieur. Ah oui, plusieurs. Il y a 3 siècles entre vous et nous. Oui. Et quand on pense que les Occidentaux, dans, je ne parle de la France seulement, je parle de l'Angleterre, l'ensemble des Occidentaux, oui. ils ont pillé les tiers-mondes, surtout l'Afrique. Bien sûr. Les dettes, l'or, et comme, qui garantit des banques, des trésors. Mais c'est la démonstration du film. Voilà. Et c'est or-là, où c'est l'eau d'or, vient d'où? De chez nous, monsieur. Ben c'est exactement ce que dit voilà. Ce donc, film. Chirac, certes, était gentil, mais Mitterrand a bien dit un jour que l'aide au tiers-monde, lui, Mitterrand, n'était pas tout à fait d'accord quand on dit que l'Occident fait vivre le tiers-monde. Non. Il a dit non. Parce que si nous leur donnons 1 euro, comme ça a été dit dans les films, il les rembourse à 2 à 3 euros. Alors qui nourrit qui?